Et re-YouTube, quatrième partie de Katana Zero. On s'était arrêté devant un temple bizarre et on s'était fait rush par le SWAT, le RAID et toutes les compagnies antiterroristes de la planète. Je vais quitter la partie, j'espère que en continuant, ça va me remettre là où j'en étais. Par contre, j'ai l'impression que mon micro est un peu fort, non? Ok, bon, on va tester comme ça. Let's go! Ah bah voilà, parfait. Ouais. Donc, je me suis pris aussi une nouvelle cam, hein, parce que mon ancienne, elle datait de 10 ans. Non, mais même plus, hein, elle datait de 15 ans. Vous vous rendez compte? Une webcam qui date de 15 ans. Incroyable. Bon, celle-là, voilà, c'est une petite webcam, bon, on va dire basique. J'ai pas d'éclairage, donc ça rend un peu dégueulasse. Par contre, ma manette. Les fils. Voilà. Allez hop, let's go. Qu'on se rappelle un petit peu le gameplay. Ok. Super. Je suis cerné. Utilise son Chronos, oui, parce que je vous ai pas précisé, mais on est drogué avec une drogue qui s'appelle le Chronos. Et à chaque fois, on peut revenir dans le temps pour échapper à la mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, le scénario est un petit peu chelou, un peu comme Hotline Miami, le scénario était vraiment bizarre. Alors, si je prends l'heure de la vie, je vais mourir pour l'éternité. Je peux pas mourir. Ah ouais. Ma petite voisine, mais ils ont mal traduit, hein. Ok. Oui. Bah la vie, on est dans un jeu vidéo, donc... Je dois vraiment faire un choix. Ça va changer le scénario, ça va changer la fin.
Alors là, peut-être qu'il y a plusieurs fins possibles. Bah, je choisis de vivre. Oui. Bah, j'avais des contrats, moi je suis un tueur à gages, donc à mon avis, non mais ils allaient me tuer, monsieur. Je suis dans la merde, je crois. Mais tranquille, on kidnappe une fille, tranquille, comme ça se passe. Putain, mais elle veut regarder un film et qui c'est le veut, Bambi. Les films de samouraï, il y a d'abord. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Rien du tout. C'est quoi le mieux, jouer à la croix ou au stick non stick? Je crois pas que ce soit un film destiné aux enfants, mais bon. C'est la meilleure partie. On va pas la traumatiser, sinon elle va partir. La pauvre petite, elle va faire des cauchemars de bain de sang là. Mais à mon avis, elle a un rôle dans l'histoire. Hein. On va devoir la protéger ou je sais pas quoi, on va devoir faire quelque chose. Il a pris quoi, la cassette? Ah non, le. La jack, enfin le boîtier quoi. Ah, d'accord. Il regarde le. Non, il regarde la cassette qui était posée sur le truc avant que la petite arrive. Donc, grosse affaire demain.
What? Ah, mais... Énorme! Je joue le... Attends, d'accord. What the fuck? Mais c'est... Mais what? Mais c'est complètement cheaté son... Ah mais c'est quoi le temps cheaté son pouvoir là? Énorme. Excellent. Merde, je peux être assez rapide. Ah mais je peux pas frapper? Ah si, attends. Mais qu'est-ce que je fais? Faut que j'arrête de... D'accord, je lui renvoie et ensuite je rush à droite. Ok, pas comme ça. Ah mais je suis con, j'aurais dû rond. Mais je fais n'importe quoi. C'est stylé quand on revoit sans les ralentis. Et pourquoi ça? D'accord. Lui aussi, il a un temps, il peut pas charger, non? Hop. Attends, je peux. Est-ce que je peux tirer? D'accord, ok. Non, mais non. Comment je peux y prendre? Je peux pas descendre là. Bah non. Si je fais ça. Si je fais ça. Comment faire? Ou alors. Voilà, comme ça. Tout simplement. Là c'est moi qui ai merdé, hein. Ok. Putain, moi je tombe. En fait, il s'échappe de prison. Il s'échappe de.
de prison et en fait il fait un massacre. Un massacre de ouf. Le massacre de Two Pines. Référence. Mais moi je fais un coup d'épée entre deux tirs. C'est un QI supérieur à tout le monde, tu vois, c'est j'essaie de combler les vides. Non. Putain, mais pourquoi il a ouvert la porte? Il devrait mettre un bouton pour ouvrir la porte, là, j'en ai marre de me coller à une porte à chaque fois et qu'il ouvre tout seul. Casse les couilles. Allez, putain. Putain! Et pourquoi il est pas redescendu en bas là? Crève. Voilà. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ils m'ont entendu. Encore une fois, quoi, putain! Il ouvre ses putains de portes sans que je le veuille! Mais, enculé là, viens là! Allez hop! Non mais regardez. Non mais. Putain, c'était quoi ça? Regardez ça! Mais je veux pas aller sur ce petit rebord de merde là. Alors attendez. Là je descends, voilà. Là je descends, regardez. Il met ici. Tout à l'heure c'est ce qui m'est arrivé. Hein. C'est une blague. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il faut que je les prenne tous en même temps. Parce que s'il y en a un qui me voit, il va alerter tout le monde. Ils vont descendre par la porte. Ça va être le bordel complet. C'est quoi? Putain, ils sont énervés là, hein. Descends, descends! Putain! Oh là 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 là. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble! Je vais devenir fou. À la fin de ce jeu, je vais devenir fou. Bon, son pouvoir, il est complètement cheaté, mais si on met... Putain. Ok. Je crois que c'est bon, là.
S'il avait ouvert la porte, j'aurais tout cassé. Mais ils sont pas synchro. Il faut qu'il y en ait qui viennent comme ça, et là je fasse ça. Voilà. Il est à la classe lui aussi, hein. Comme l'autre samouraï. Comme Sekiro là. Putain, il dit les noms que c'est moi qui ai tué. Non? La femme ninja? Ah oui, c'est l'autre là. Le truand russe, c'est qui c'est moi? Mais Al-Kazim, on l'a pas tué? Ah non, mais il est vénère! Il est énervé, lui, hein. Oulala, j'ai rendez-vous avec mon chef avocat, là. Je vais me faire défoncer la mouille! C'est nous, Léon. On est Léon, donc. Et le blond, il veut nous tuer. Écoutons la musique. Mais c'est passé quoi? Attends, j'ai fait... Je suis tombé dans les escaliers. Vraiment. C'est... Je suis mort comme un vieux de 70 ans. Je regarderai en replay là parce que ça me trigger. Mais viens là, toi, arrête de faire chier. C'est quoi ça? Le projet nul. Casse-toi! Ah non, je vais avoir une cible sur moi pendant tout le truc là? Mais putain, ça va me stresser encore plus! Casse-toi! Qu'est-ce qu'il veut lui? Il y a quoi là?
Putain, mais je voulais pas ouvrir la porte encore une fois. 50% de mes morts, c'est quand il ouvre les portes sans que je le veuille. Incroyable ça, putain. Mais... Il s'est... J'ai encore glissé ou quoi? Attends, je... On s'en fout, je vais prendre ça. Ah mais ça fait pas une grosse explosion de fumée. Ok. Nice. Non, je rigole. C'est une... C'est quoi? Oh, je mets au plus de temps. J'ai plus de temps. Putain. Il tire direct en fait. Enfin, dès que ça se soulève. Hein? Je renvoie sa balle. Attends, je vais refaire pareil. D'accord. C'est un fusil à pompe. My bad. Je rigole. C'est chaud, hein, c'est chaud patate, hein. Putain, mais c'est chaud, il se déplace tellement. Mais je suis mort par ma mine alors que j'avais fini le niveau quoi. Quel boulet. J'ai une mine. Une mine!
Mais non. C'est ça qu'il fallait faire. Je suis tellement con. Dites en commentaire hein, si je suis con. Hein. Je plaisante bien sûr. Ne dites pas ça. Hein. Putain, encore un niveau de l'enfer. Putain, j'avais zappé ce mec. Je me fais écraser, d'accord. Y'a quoi là-bas déjà? Descends, descends! Putain! Incroyable ça! Ah, pour descendre dans ce jeu, c'est une horreur. Hein. Je vais monter par là. Faut que j'utilise le cocktail enflammé pour... Ok. Putain, il me reste que cela, quoi. Il s'est passé quoi? Mais c'est passé quoi encore? J'ai trébuché? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est handicapé ou quoi là? C'est sa blessure de guerre là qui... Il a qu'un pied ou quoi là? D'accord. Mais je suis con! J'ai pas vu que c'était une porte. J'ai cru que c'était ouvert. Mais ça l'auto-lock pas? C'est quoi ça? Ils sont pas très malins, hein. Non, non, j'ai désactivé ça. Merci, au revoir. Merde. Ça descend pas, hein? Ok. Oui, ça devrait marcher. À chaque fois, il dit ça, à chaque fin de plateau. Là, il faut le cocktail Molotov pour cette partie. Putain, j'avais oublié lui! Il a failli m'avoir.
Mais putain, j'avais pas vu, je regardais les lasers. Toi, tu te fais foutre. Oh là là, mais c'est... Ça me fait tellement penser à Hotline Miami. D'accord, j'étais pas assez loin. Casse-toi. Pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a fait perdre du temps. Je suis rapide comme ça, hein. Putain. Est-ce que si je mets... Mais... Non, ça va. Oula. Casse-toi, casse-toi. Là. Toi. Tu te barres. Ok. Là, on est bien. Il nous faut... Faut que j'aille en bas, c'est bon, j'ai compris le pattern, la route à suivre. Mais c'est passé quoi? Le mec il auto-lock pas quand on frappe là? Ok, je fais n'importe quoi. Attaque, descend, hop, 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 hop. Tac, toi casse-toi. Toi, hop, tu vas là. Tu vas mourir avec lui. Hop. Toi, tu vas mourir. Voilà. Là, on est good. Toi, tu te barres. C'est bon. Ok, c'est quoi ça? D'accord. J'aurais bien aimé savoir ce que ça aurait fait si j'avais pris si j'avais pris la lune au lieu de prendre le soleil. Enfin, si j'avais pris le truc d'argent au lieu de prendre le masque d'or. À mon avis, si j'avais pris le masque d'argent, tous les policiers autour de moi, ils seraient pas morts et j'aurais dû les combattre. Enfin, je pense. Ou alors, j'aurais peut-être incarné la... Ah ! Là, j'ai pris le masque d'or. J'ai incarné le mec blond. Donc, blond, jaune, or, jaune. Alors que peut-être, si j'avais pris le masque d'argent, j'aurais incarné la femme samouraï.
un peu qui a peu les cheveux gris, quoi, peut-être. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais bon. J'ai pas compris. Je pouvais partir ou pas? Ah, faut que j'aille sur les trucs verts. Tout simplement. Putain, c'est trop dur! D'accord. Attends, mais je peux pas me barrer d'ici, là? Mais putain, je peux pas dasher pendant que... Je fais mon... Si, mais il met du temps, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait dans Street Fighter... dans Double Dragon 2, là. Ils sont sérieux, mais c'est trop dur! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il se passe un truc à gauche. J'ai dash? Je peux dash en l'air? Ah, je peux pas dash en l'air. Putain, j'apprends ça après 4 heures de jeu, quoi. Je suis pas mort! Putain, quel enfoiré lui. Mais tout le monde veut ma peau là! Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu?
Le tapis roulant. Je suis gamin, mon poteau. Attends, petit test. Hop. Hop. Ouais, le truc qui sert à rien. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? On a perdu la guerre? Il a détruit la Chronos? Je suis en train de lire, hein. Mais d'après mon intuition extraordinaire, je pense qu'il a détruit la Chronos. Un poulet, s'il vous plaît. Mais ça sert à rien, j'ai pas de vie, je suis complètement con. Je me crois dans un Castlevania. Putain, encore un test. C'est lui qui fabrique la Chronos. C'est Al-Kazim. Ça se trouve, je comprends rien et je suis en train de tout mélanger. Imito. Ah! Il commence à s'énerver, hein. C'est genre le mec, voilà, hyper calme. Merde, il n'y a pas un secret en haut? Qu'est-ce que c'est? C'est où il était? Là, je vais augmenter le chauffage. Cryo réservoir. C'est vous ça? J'étais dans une... En fait, je sais pas, j'ai été dans une prison. Il y a un gars, il m'a... J'ai découvert un truc chouette aujourd'hui, vous voulez voir? Bien sûr! Venez, on y va!
Putain, mais encore? Et ta famille, elle est où? C'est là-haut. Stylé! Ben en fait, il n'y a rien. En fait, tu tombes dans l'univers. Parce que la Terre est plate, tout le monde le sait. Moi aussi. Comme ça, tout le monde saurait que la Terre est plate. Paradis. Attends, les 7 ans, ça me dit quelque chose. L'autre, il avait dit pareil. Ça fait 7 ans que j'ai pas eu de visite ou je sais pas quoi. Attendez, je vais juste fermer ce qui me sert de volet. Je suis tout bleu. Je suis un avatar. Pourquoi veux-tu rester? Ah, mais elle a vu les hommes masqués, elle aussi. En fait, on est tous drogués. On est full chronos. Putain, c'est le jour 1, jugement. Je crois que je vais arrêter la vidéo là. Et je vais faire la fin plus tard. Dans une cinquième vie. Attendez. Ok. On va stopper là. Merci d'avoir regardé. On va faire la fin, je pense, dans la cinquième vidéo, qui sera un peu plus courte. Ou alors, sauf surprise, hein, parce que peut-être que. Peut-être que va y avoir une fin, un jour 0, un jour moins 1, un jour moins 2, un jour moins 3, et ça va continuer ad vitam aeternam. Allez, on se rejoint pour la cinquième vidéo, pour la fin. Oula, je saturais là, non? Merci à tous, merci YouTube, merci les potos, à plus, à tout de suite. Hein.